Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker et n'hésitez pas de partager à vos amis et voilà, à vos proches. Enfin, vous avez compris le bail. Donc, les amis, à propos des demandes d'amis hier, je vous ai tous accepté en amis. Je vous ai tous accepté en ami, mais le problème, c'est que je vous ai renlevé de mes amis. Donc, je vous ai enlevé de mes amis et je suis vraiment désolé. De base, je devais vous garder jusqu'à 100 amis ou 200 amis maximum. De toute façon, on ne peut pas aller jusqu'à 300, c'est limite à 200. Et donc, je devais vous garder, mais je n'ai pas su vous garder. Je ne sais pas pourquoi je vous ai enlevé. Donc, s'il vous plaît, rajoutez-moi en ami. Comme ça, on pourra continuer à jouer ensemble. Ce serait plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, la vidéo se concentrera sur le jeu Adopt Me. Donc, je vais vous faire voir comment rentrer dans un serveur public où il n'y a que des... Où il n'y a que des riches. Je vais essayer de rentrer dans un serveur où il n'y a que des riches. Donc, dans ces vidéos, je vous ferai voir, enfin, je vous fais voir comment rentrer dans un serveur public où il n'y a que des riches pratiquement. Alors, la chose qu'il faut savoir, les amis, c'est que dans un serveur public où on veut trouver des riches, il faut voir au niveau des personnes qui sont sur le serveur. Si vous voyez qu'ils ont un skin sans Robux, ça veut bien dire que en général qu'ils ont pas beaucoup de ils ont pas des pets hyper riches non plus ou pas du tout. Mais quand vous voyez des gens quand vous voyez que leur personnage est habillé avec des Robux, en général c'est des bons serveurs ou voilà ou s'il n'y a que ça pratiquement sur un serveur des gens à Robux, c'est que c'est des bons serveurs. C'est ça que je voulais vous dire, les amis. Donc, je vais essayer de rentrer dans un serveur où il n'y a que des riches. Celui-là m'a l'air intéressant. On va essayer d'y rentrer, les amis. Alors, bien évidemment, les amis, le serveur est complet, mais c'est pas grave, les amis. Essayez d'attendre jusqu'à minimum 15 secondes ou 20 secondes pour que une personne libère sa place et que vous rentrez dans le serveur. Si vous voyez qu'au bout de 20 secondes, ce n'est toujours pas fait, enfin ce n'est toujours pas ouvert, vous changez de serveur, vous prenez un autre, vous essayez de voir si un autre est libre avec des riches. Donc on attend et on se retrouve tout de suite après, les amis. Bon bah les amis, le serveur m'a toujours pas ouvert les portes. Donc je vais essayer de rentrer dans un autre serveur public. Je vais bien trouver un serveur, je pense. Bon, on essaye celui-ci. Voilà, du coup, on se retrouve juste après, les amis. Ça y est, les amis, le serveur s'est ouvert, enfin, un serveur ouvert. Super, on va pouvoir voir si il y a effectivement des riches sur le serveur. J'espère que oui, les amis. Voilà. Verrouille ma porte et je baisse le son, les amis. Oui, les amis, j'ai un nouveau pet dans mon inventaire. C'est une licorne néon
Je les trade et je suis hyper content, les amis. Comment vous pouvez pas savoir comment je suis hyper content de l'avoir. Je l'avais perdue et je l'ai donc retrouvée et elle s'appelle Rose. Et au fait, les amis, si en fait j'ai un problème avant que j'aille sur le truc de riche. J'ai un problème, les amis, c'est que mon pet s'appelle Rayon de Soleil. Après Rayon de Soleil, est-ce que il est adulte ou il a encore des étapes à franchir? Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc voilà. Parce que j'ai jamais eu de pet marqué Rayon de Soleil. Alors je sais pas. Ouah, il s'est passé quoi? Bon bah d'accord, je meurs. Retour à la case d'épingle. Si quelqu'un d'entre vous connaît cette musique là. Retour à la case d'épingle. C'est hyper connu. C'est vieux mais voilà quoi. Ah, voici un serveur de riche. Il n'y a pas. J'ai connu plus pire que ça, un serveur de riche. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup de riches. Mais quand même, parce qu'une tortue, c'est beaucoup de personnes qui l'ont, je crois. Ah ouais. Les amis, on va essayer de trad. Pas ma licorne, mais on va essayer de trad mon dragon. Attendez. Mon dragon là. On va essayer de le trad. En plus, je peux monter dessus. On va essayer de le trad contre des pets. On va bien voir le résultat. Alors je lui demande une trade, j'espère qu'elle accepte, mais est-ce que elle va accepter la trade contre mon dragon? C'est la question que je me pose. Ah non, elle n'accepte pas. Bien évidemment les amis, elle n'accepte pas la trade. Ce qui est logique. Que tu acceptes ma trade contre mon dragon. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je ne vais pas accepter une telle proposition. C'est quoi en plus? Potion 10 minutes, je sais pas quoi là. Non, non, je prends pas ça. Une fois, les amis, je me suis fait arnaquer contre des potions qui donnent la grosse tête. C'est super. Oh la chance. Elle a un nain. C'est elle qui a ça? Toi qui as ça? Je sais pas c'est à qui ça. C'est à 72, je sais pas quoi là. Non, c'est pas elle. C'est toi? Non plus. C'est toi? Ok, chelou. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me trad mon dragon, s'il vous plaît? En plus, il est malade. Est-ce que tu voudrais bien trad? C'est un néon ça? Bon bah les amis, sans succès, je n'ai pas pu trad mon dragon qui a un gros thermomètre dans la bouche. C'est du gros n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Ah, quelqu'un veut me faire une trad. Bon bah finalement la vidéo n'est pas encore terminée. Ah si, bah si. Bon bah c'est pas grave. Donc les amis, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez trad mon dragon contre un pet à vous ou deux pets à vous. C'est encore mieux parce que j'ai pas toute la collection.
Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Et si vous voulez, vous pouvez me rajouter en ami si vous m'avez déjà eu en ami hier. C'est pas grave. Attends, je vais juste trad lui là. On va pas finir la vidéo, je crois, les amis. Yop, il va sûrement pas accepter. C'est quoi ce délire là? Mais je passe à moi. T'es fou toi. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Donc je disais, vous pouvez me rajouter en ami, il n'y a pas de problème. Je vous accepte en ami. Enfin voilà, je vais vous accepter en ami. Mais surtout n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Roblox Team Davy. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était Davy. Ciao tout le monde. Are you satisfied?